Nous saluons tous très cordialement au nom précieux notre Seigneur. Nous nous réjouissons de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu et que nous pouvons prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous souhaitons à tous, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu. Que ce jour soit un jour que le Seigneur a fait pour nous, pour toi et pour moi, très personnellement. Aussi aujourd'hui, je demande au frère Schmitt de venir et de prier avec nous et de lire quelques noms qui nous ont salués. S'il te plaît, frère Schmitt. Grand Dieu, en regardant à toi, nous venons ensemble ici en cet endroit, Seigneur, et dans le monde entier, devant ta face, et nous te remercions de ce que tu nous as accordé la possibilité aussi dans ce temps turbulent d'écouter ta parole, de croire ta parole et de la recevoir et de te rendre grâce. Bénis dans le monde entier tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui écoutent, Seigneur, pour que ce ne soit pas seulement que nous soyons des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais aussi qui la mettent en pratique. Alors, fais-nous grâce à tous que nous ne soyons pas des écouteurs oublieux, mais que cette semence incorruptible que nous avons reçue dans notre cœur, Seigneur, en vertu de la puissance de ton esprit, Seigneur, parce que nous la mettons en pratique, elle peut produire de son fruit. Seigneur, ainsi bénis notre frère, accorde-lui ta force, accorde-lui ta parole, accorde, Seigneur, à tous, à nous tous qui écoutons, et d'accepter de recevoir et de te rendre grâce. Nous te demandons encore ta bénédiction. Amen. Alors, nous avons ici des salutations de frères. Oui, je peux le dire, du monde entier. D'abord, du frère Erwin, du frère Lazer, du frère André, du frère Didier, du frère Yon. Nous disons, et encore une fois, des frères, des salutations, oui, je peux le dire, de l'Ukraine,
de la Russie et de partout où beaucoup sont, qui sont liés avec nous et avec le Seigneur. Et nous remercions encore ici le frère Motika, le frère Cécile, le frère Ngonga et le frère Étienne et le frère Naniba. Remettent aussi la salutation fraternelle. Et aussi d'ici, nous saluons tous fraternellement et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Oui, au Seigneur, de tout notre cœur, soit la reconnaissance, soit apportée la reconnaissance de ce que, avec tous les frères, dans le monde entier, nous pouvons être liés. Nous avons la grâce d'être liés. Les derniers appels étaient du frère Ngonga, le dernier appel, et il a réellement au téléphone dit à haute voix, frère Franck, si avec le ministère que le Seigneur t'a accordé, tu n'avais pas apparu, tous nous serions encore dans la brousse, dans la jungle. Vous savez ce que c'est que la jungle? Et tous les frères qui maintenant, avec nous et avec le Seigneur, sont liés, que ce soit le frère Étienne, que ce soit le frère John, que ce soit tous les frères, le frère Daniel, tous les frères, des frères du Zimbabwe ont appelé, un frère de l'Australie a appelé. Nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants aussi pour les traductions de ce que dans le monde entier, live, on peut écouter ces retransmissions. C'est l'objectif, ça a été l'objectif et le sens de ce que le dernier message, donc couvrant toute la surface de la terre, soit écouté et prêché. Et ça, par la grâce de Dieu, ça a eu lieu. Et comme le frère Schmitt justement disait tout de suite, que ce soit de la Russie ou bien de l'Ukraine, de tous les pays de l'Est, de l'Europe, et oui, du monde entier. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur. Pour cela, tous nous sommes bien sûr, dans le déroulement des années, nous avons pris de l'âge, et hier j'ai dit que depuis 1949, ça va faire 70 ans qui sont passés. Et depuis 1979, ça va faire encore 40 ans qu'ils sont passés. Oui, ils appartiennent bien sûr à ces 70 ans depuis 49. Mais nous sommes, n'est-ce pas, reconnaissants au Seigneur de ce que tous se mettent à la disposition de Dieu et qu'il n'y a plus de mélange qui a lieu et que tous nous comprenons que la parole de Dieu est vraie et que elle doit seulement être prêchée telle qu'elle est écrite noir sur blanc. Et je pense ici à deux verset particulier dans Daniel, le chapitre 9, versets 22 et 23, que notre bien-aimé Urs Graf de la Suisse a une fois dans une prédication de moi, il avait entendu et ensuite dans beaucoup d'autres prédications, il a employé.
Sois attentif à la parole afin de comprendre exactement la révélation. Daniel 23, la dernière phrase. Ça, c'est la clé. L'ange Gabriel a été envoyé à Daniel pour lui donner la révélation, la compréhension pour les Écritures, pour la vision qu'il a reçue. Et il lui a dit, sois attentif à la parole, afin que tu comprennes de la bonne manière la révélation. De tels versets sont précieux comme de l'or. Au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Je pense ici à 2 Timothée chapitre 4, à la parole qui m'a été personnellement adressée. Je te conjure devant la face de Dieu et de Christ Jésus, qui un jour jugera les vivants et les morts, et ensuite prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend sans surexhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien-aimés frères et sœurs, hier, nous avons courtement fait mention à cela. Ce qui s'est passé, c'était donc 2 Timothée chapitre 4, depuis le temps où les prophéties de l'Ancien Testament qui avaient été données pour la première, qui étaient déterminées pour la première venue de notre Sauveur, ont trouvé leur accomplissement, avaient trouvé leur accomplissement, et tous ceux qui avaient trouvé grâce devant Dieu croyaient et ont pris part, ont eu part à ce que Dieu avait fait. Même le jour de la Pentecôte, il y avait plus de 3000 personnes rassemblées et tous nous savons ce qui est écrit dans Marc, le premier chapitre, que Jean le Baptiste avait apparu pour prêcher un baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Il pouvait déjà se référer à l'agneau qui allait mourir, qui allait répandre son sang et ainsi accomplir la rédemption et accorder le pardon. Et dans la foi à cette œuvre qu'allait s'accomplir, il a dans la foi baptisé les gens et de tout Jérusalem, ils sont allés au Jourdain, en Judée. Et le message de l'heure, la parole qui autrefois avait trouvé son accomplissement, pour vivre la parole qui, à l'époque, trouvait son accomplissement. C'est simplement la grâce de Dieu. Et cet évangile, le même évangile, comme dans Marc, ici, les deux versets principaux, dans les premiers versets du chapitre de l'Épître de Marc, sont mentionnés. Que Jean-Baptiste, selon Ésaïe, chapitre 40, verset 3, a apparu. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, aplanissez le sentier pour notre Dieu. Et directement le deuxième verset, Malachie 4, verset 5, et pardon, 3, verset 1. Voici, je vous envoie mon messager devant ma face. Les deux versets bibliques. Dans Marc chapitre 1, verset 1, dans les premiers versets,
ont été mentionnés. Ésaïe 40, Malachi 3. Et c'est ainsi, bien mes frères et sœurs, que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement de ce qui était écrit dans l'Ancien Testament pour cette époque d'autrefois. Et comme nous l'avons dit en insistant hier, tous ceux qui ne reconnaissaient pas ce qui avait été donné pour leur paix, ils ont écrit leurs propres livres, leurs propres enseignements, et ils ont exposé cela au peuple, mais ils n'ont pas exposé ce que Dieu, dans sa parole, avait dit. Et vraiment, il y a vraiment seulement que deux testaments dans lesquels Dieu a révélé sa dernière volonté. Tel que terrestrement, on écrit dans un testament sa dernière volonté, ce qui doit se passer quand on décède. C'est ainsi que le Seigneur, notre Dieu, a écrit l'Ancien et ensuite le Nouveau Testament par sa grâce. Il a donné ces deux testaments et c'est par la mort du Rédempteur en vertu de sa résurrection que tout s'est accompli et continue à s'accomplir tel que nous l'avons vu, pardon, et continue à s'accomplir et nous continuons à l'observer. Hier, nous avons rapidement fait mention de ce qui se passe avec Israël. Et nous devons le dire, Dieu a commencé avec Israël et Dieu va achever, va finir avec Israël, va achever. Et entre-temps, le temps pour les nations existe, entre les deux temps, entre le début et la fin pour Israël. Il y a le temps pour les nations et nous pouvons regardez ce qui est écrit dans Romains 11 concernant Israël, ce que Paul a écrit dans Romains 11. Mais encore rapidement cette remarque. Nous vivons vraiment dans un temps très spécial. Et personne sait ce qui va encore arriver. Personne sait comment est-ce que les choses continueront. Et le désespoir va s'accroître tel que notre Seigneur l'a prédit. Les prophéties des Saintes Écritures s'accomplissent et cela devant nous. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette alliance qui sera faite selon Daniel 9, verset 29, mais ça, j'aimerais le dire. Et cela à tous nos frères qui ont des difficultés avec Daniel, chapitre 9, verset 27. Celui qui veut bien comprendre Daniel 9, verset 27, il doit lire à partir du verset 22 pour ensuite avoir le contexte. Il doit lire concernant les 7 années de semaine, ensuite concernant les 62 semaines d'années qui en tout font 69 semaines d'années, et que ensuite le oint sans que le oint mourra, donc sans jugement. Et ça, ce sont les versets 22 et 23. Il faut le lire pour comprendre le reste. Et ensuite, il insiste ici, sois attentif à la parole afin que tu comprennes correctement la révélation. Celui qui, en ce qui concerne l'Apocalypse, ça je le dis
ouvertement et clairement et simplement. Celui qui veut comprendre ce qui est écrit dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, celui qui veut bien comprendre les 22 chapitres, qu'il soit attentif à ce qui est écrit avant l'Apocalypse dans toute la parole de Dieu. Et c'est ensuite, en étant attentif à toutes les Écritures, que l'Apocalypse, dans tous ses chapitres, du 1 au chapitre 22, lui seront aussi révélés. Nous l'avons déjà dit, le mot Apocalypse, nous l'avons dit la dernière fois, qui dans notre Bible est désigné de révélation. Dans notre Bible, c'est écrit révélation. Mais Apocalypse, c'est écrit, ça veut dire dévoiler ce qui est caché. Et mot à mot, ça veut dire, si ici, par exemple, je mets un voile sur quelque chose et personne ne sait ce qui est derrière le voile. Et qu'ensuite, le moment arrive où je dévoile, le dévoilement de Jésus-Christ, que le voile est ôté et que ce qui était caché par la grâce de Dieu, par cela est maintenant révélé. Et cela peut aussi être dit, celui qui veut exactement lire Apocalypse, comprendre Apocalypse 10, il doit aussi lire Apocalypse et Daniel 12, verset 7, pour savoir qu'à ce moment-là, où l'ange de l'Alliance descend et met un pied sur la mer et sur un autre sur la terre et jure à celui qui vit éternellement qu'à ce moment du jugement, du jurement, du serment, du jurement, il restera encore que 3 ans et demi jusqu'à la fin. Jusqu'au temps de la fin. Donc, on doit d'abord être attentif à la parole de Daniel 12, verset 7, pour bien comprendre la révélation qui est dans Apocalypse 10 et aussi ce que Frère Branham, par sa grâce, a exposé. Et pouvoir ainsi le comprendre dans son contexte, dans les Écritures. Et laissez-moi dire cela encore. Ces deux versets n'étaient pas seulement pour Frère Ous Grave, mais aussi pour notre bien-aimé Frère Elmus Miskis. Simplement d'une grande signification. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Avec tous les frères qui dans le monde entier prennent part à la prédication. Personne peut comme ça entreprendre un voyage et dire le prophète a dit. Il doit revenir à ce que Dieu a dit avant cela dans la Bible. Au prophète Daniel, il a été dit à haute voix: scelle le livre jusqu'à la fin. Et ensuite, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, etc. Et c'est ainsi que la connaissance va s'accroître. Et s'il y a quelqu'un qui existe, qui n'est pas qui n'a jamais lu mais qui a toujours de nouveau, s'il y a quelqu'un qui existe, qui n'a pas seulement écouté une seule fois ce que Frère Branham a dit dans le 7e saut, mais plusieurs fois lu et écouté ce que Frère Branham a prêché dans le 7e saut. S'il y a quelqu'un qui existe, qui l'a vraiment fait, il est important d'accepter la sainte et précieuse parole de Dieu, d'être attentif à la parole, d'être attentif aux Écritures et de ne rien ajouter à ce qui a été prêché ou bien retranché.
Si quelqu'un veut lire dans l'Apocalypse, il peut exactement lire quand est-ce que quoi va arriver, comment est-ce que les deux témoins vont, quand est-ce qu'ils auront leur ministère dans les premiers 3 ans et demi, comment est-ce qu'ensuite l'alliance sera brisée et comment est-ce qu'ensuite la grande tribulation commencera. Tout a été écrit à l'avance et on a seulement besoin que ces choses soient montrées dans leur contexte. Et celui qui lit dans Apocalypse, il voit, n'est-ce pas, l'ordre divin dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 7, la troupe de 144 000 est montrée, qui sera scellée. Au chapitre 15, ils sont montrés sur la montagne de Sion et écoutent le cantique que l'épouse chante pendant le festin des noces et entonne le même cantique. Et quand, par exemple, un mail vient, nous parvient, où il est dit que le festin des noces a commencé en 1963 sur Terre, le festin des noces. De tels frères ont perdu le sens. Ils ont absolument rien compris. Ils n'ont qu'une tête folle. Tout doit être ordonné bibliquement. Et ensuite, il ajoute, Apocalypse 10 est déjà accompli aussi. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un ordre divin. Et Dieu, dans l'Église, a établi différents ministères. Et nous sommes maintenant dans la dernière partie dans laquelle tout ce qui n'avait pas été montré dans son contexte, ne pouvait pas être montré dans son contexte dans les temps passés. Et ça aussi, Frère Branham l'a dit en insistant, il est reparti toujours au temps depuis la Réformation et il a parlé de comment est-ce que les vérités bibliques toujours plus ont été révélées et ont été prêchées. Et quand ensuite nous regardons dans l'histoire de l'Église et que nous lisons concernant cela, nous voyons que 100 années avant l'apparition de la Réformation, il y avait eu déjà des réunions de réveil avec baptême du Saint-Esprit qui avait eu lieu avant la Réformation. Dans le temps de Jan Hus, dans le temps des frères Böhm, dans le temps de Graf Zinzendorf, les exposés existent dans l'histoire de l'Église. L'Esprit de Dieu agissait puissamment pendant les âges des Églises, même déjà avant la Réformation. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit avant et après la Réformation. Mais dans notre temps, et c'est ainsi que Frère Branham, toujours de nouveau, l'a dit en insistant. Les 7 sceaux, les mystères qui étaient cachés de tout le dessein du salut de Dieu ont été révélés. Et nous avons la responsabilité que nous avons reçue de Dieu de porter en transmettant ce qui nous a été accordé par Dieu, par sa grâce, par l'ouverture des sceaux. Et nous savons tous que, n'est-ce pas, Frère Branham avait un appel divin. Mais je ne dois pas, n'est-ce pas, aller entreprendre un vol à Jeffersonville pour m'informer là-bas. Non, et encore une fois, non. Dieu a accordé sa grâce de ce que pendant 10 ans, je connaissais personnellement le prophète et qu'en tant qu'homme aussi, j'ai appris à le connaître. J'ai mangé avec lui à la même table. J'ai pris avec lui. J'ai pris part
à plusieurs repas, mangé et bu ensemble et voyagé ensemble. Mais la chose importante était son mandat divin qu'il avait reçu pour moi. C'était plus important. Et laissez-moi dire cela pour que le monde entier comprenne. Dieu a fait en sorte que au prophète, la parole fut révélée. Car c'est ainsi que c'est écrit, Dieu ne fait rien sans premièrement le révéler, révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, pas aux évangélistes, pas aux pasteurs, pas aux bergers, mais aux prophètes. Les prophètes étaient des voyants, avaient été appelés voyants. Ils voyaient en vision, ils avaient des visions. Et frère Branham était un prophète. Mais qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que Dieu, en mars 1962, a montré? Qu'est-ce que Dieu lui a montré en mars 1962? Dieu lui a montré que la nourriture dans des paniers, il se voyait porter des vivres dans des paniers remplis et qu'il les avait rangés sur des étagères. Très bien, il les a rangés, il les a mis sur des étagères. Mais dans ce temps-là, les étagères étaient remplies, mais il n'y avait encore rien à être consommé sur une table. Donc, depuis lors, nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons pris cette nourriture emmagasinée et nous avons pu la servir de manière qu'on peut la consommer sur la table de l'Éternel. Et nous avons pu de cela prêcher le plein salut et la pleine rédemption de l'Éternel. Et laissez-moi dire cela, bien mes frères et sœurs, particulièrement, je dois toujours adresser la parole à nos frères qui prêchent le même message, la même parole révélée. Et tous les frères, aussi ceux que nous avons entendus ici de leur nom, savent exactement ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Et que vraiment, c'est mandaté par Dieu que nous portons et transmettons ce que Dieu a révélé au prophète. C'est ce que nous transmettons, ce que le prophète a reçu comme révélation. Nous n'entrons pas dans les détails, mais particulièrement aussi avec le péché originel, avec la séduction dans le jardin d'Éden. Et là, frère Branham dit, c'est ainsi que le premier péché a eu lieu, a été commis par l'incrédulité, par le doute, par l'incrédulité. Ainsi le prophète dit, l'incrédulité est le péché originel, l'incrédulité, parce que ce que Dieu avait dit à Adam a été remis en question, a été douté. Est-ce que Dieu aurait vraiment dit? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on doit comprendre les choses? C'est comme ça que le diable, dans le paradis, dans le jardin d'Éden, a semé le doute. Et je ne le dis pas à cause de moi, mais je le dis à cause de tous ses frères. C'était comme ça en 79 que l'adversaire a inspiré à Ève et a dit, est-ce que le Seigneur lui aurait vraiment parlé? Est-ce qu'il aurait vraiment reçu un mandat? Est-ce qu'il a vraiment reçu? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui lui a parlé? Et cette pensée de doute a fait en sorte que tous ceux qui ne croyaient pas que Dieu le Seigneur avait, en avril 62, avait prononcé audiblement un appel et un mandat et un envoi, sont allés dans leur propre pensée, dans leur propre chemin, et ils ont méprisé ce que Dieu a fait depuis des années, et ils le méprisent et blasphèment là-dessus. Et personne n'a besoin de s'étonner de ce que dans différents
de direction ils sont allés. Je ne sais pas qui a compté combien de différentes directions existent à l'intérieur des groupements qui tous se réfèrent à Frère Branham. Mais avec Dieu, il n'y a qu'une seule direction, une seule vérité, et c'est sa sainte et précieuse parole. Et je m'excuse de ce que, encore une fois, je le dis, mais nous avons pris cela dans notre cœur. Sois attentif à la parole afin de comprendre exactement de la bonne manière la révélation. Et nous pouvons dire devant la face de Dieu qu'il n'y a pas une seule question sur ces 22 chapitres de l'Apocalypse que Dieu devrait encore répondre. Tout a été révélé. Tout dans le contexte correct a été montré. Et nous avons déjà, dans des lettres circulaires et dans des brochures, édité cela. Et tous ont la possibilité de le lire et aussi de l'écouter. Allons encore à 2-3 versets bibliques. Le premier, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ne voyez pas quand la gloire disparaît de son visage, en allemand. Et nous savons tout ce qui est écrit ici, au verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, mais ils sont devenus durs d'entendement. Mes bien frères et sœurs, je ne sais pas si vous ressentez, vous pouvez ressentir la même chose que moi. Nous regardons à toutes ces années en arrière. Et si Paul autrefois a écrit que le voile est encore sur leur cœur, et que c'est seulement quand le voile sera ôté, c'est seulement alors Paul écrit que c'est seulement en Jésus-Christ que ce voile est ôté. Et nous l'avons mentionné ici, et que même les Juifs, même quand ils prient au mur de lamentation, ils l'avons toujours vu de nous-mêmes. Ils lisent et ils prient. Et avec tout leur corps, avec tout le zèle et la consécration, ils lisent la Torah, le Talmud de Jérusalem, la Gemara, la Mishra. Et ils lisent tous ces livres des rabbins. Et le voile est sur leur cœur, sur leurs yeux. Ils ne voient rien. Quand les Écritures de l'Ancien Testament sont lues, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, puis-je demander aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui lisent les Écritures du Nouveau Testament? Est-ce que là, il y a un voile qui est sur leur cœur? Est-ce que à eux, la révélation de Jésus-Christ a été accordée pendant la lecture du Nouveau Testament? Comme tout à l'heure avec ce voile, je l'ai montré. Que simplement, le voile a été ôté et que le chemin au lieu très saint est inauguré. Et particulièrement, il est montré alors que notre Seigneur sur la croix à Golgotha mourut
Le voile entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré d'en haut vers le bas. L'arche de l'Alliance était devenue visible et le sang de la Nouvelle Alliance a été apporté sur l'Arche de l'Alliance et tous nous avons par la grâce de Dieu expérimenté la rédemption, le pardon par le sang de l'agneau. Nous l'avons accepté et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Mais, disons-le encore une fois, pas seulement les Juifs qui jusqu'aujourd'hui font la lecture de l'Ancien Testament et ensuite lisent leurs propres interprétations, mais aussi tous ceux qui font la lecture du Nouveau Testament. Le voile est encore sur leur cœur et ils se lèvent que par la révélation de Jésus-Christ. Il est ôté que par la révélation de Jésus-Christ. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et je me révélerai, je me ferai connaître à vous. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ par laquelle le voile est ôté. Nous voyons qui il est. Il se fait connaître à nous personnellement. Et alors que Frère Branham parlait de Colossiens chapitre 1 et disait que là il est écrit que notre Seigneur est le premier-né de la création de Dieu. Et ensuite, Frère Branham dit qu'avant, déjà même depuis le commencement, le premier-né était là. Que tous les frères puissent comprendre que notre Seigneur, qu'il soit en tant que le premier-né, qu'il soit en tant que médiateur ou avocat, qu'il soit dans son humanité, bien dans sa divinité, qu'il soit montré dans ses différents domaines de devoir, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Et dans Luc, chapitre 2, verset 11, il est encore écrit, aujourd'hui, Christ vous est né, qui est le Seigneur. Il est le Seigneur. Directement, depuis Genèse, chapitre 2, alors que le Dieu invisible, alors qu'il était sorti de l'éternité et que le temps a commencé, fut créé au moment où Dieu Elohim dans une forme visible est venu et a apparu. À ce moment-là, il était Dieu le Seigneur. Déjà dans l'Ancien Testament, le Dieu invisible, manifesté, révélé visiblement dans une forme. Et cette forme visible de Dieu a été appelé le Seigneur dans tout l'Ancien Testament, ou alors l'Éternel, que ce soit dans Genèse, chapitre 14, alors qu'en tant que roi de Salem, il avait apparu, il était allé à la rencontre d'Abraham pour, avec lui, fêter, tenir le souper, que ce soit qu'il vint à Abraham et qu'il se soit assis et a mangé et a bu avec Abraham et a donné la promesse que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Toujours le même, depuis le commencement. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il est écrit, que Jésus-Christ est le Seigneur, est le même, hier, aujourd'hui, et le même, éternellement. Oui, comme ici, Paul, au chapitre 15, l'a dit de 2 Corinthiens 3, au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Disons-le encore une fois, vraiment avec douleur. Est-ce que ce voile n'est pas non plus jeté sur le cœur de tous ceux
qui font la lecture aussi du Nouveau Testament. Et que c'est seulement par la révélation de Jésus-Christ que ce voile est ôté. Et seulement celui qui entre dans la tente d'assignation, pas dans le portuaire ou bien dans le lieu saint. Là, les choses qui se passent là, qui sont déterminées à se passer là. Mais Dieu nous a déterminés à aller plus loin, à aller jusqu'à derrière le voile, dans le lieu très saint, là où l'arche de l'Alliance se trouve, là où on rencontre Dieu. Et répétons encore, là où l'arche de l'Alliance se tenait, et que le souverain sacrificateur, une fois par an, dans le jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité, c'est là que le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer pour répandre le sang. Et notre Seigneur, en tant que souverain sacrificateur, quoique souverain sacrificateur, mais malgré tout le Seigneur, que ce soit médiateur et malgré tout le Seigneur, il reste Seigneur dans, malgré différents domaines de devoirs qu'il occupe, mais il reste toujours le même, hier, aujourd'hui, et le même dans toute l'éternité. Paul l'a exposé ici, et nous le croyons, et cela de tout notre cœur, ce qui est écrit. Et ensuite, il continue dans Romains chapitre 11, Romains 11, verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce, aussi dans notre temps. De même aussi dans le temps présent. Dans le temps présent. C'est ce qui est écrit dans Romains 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, un reste tel que Israël, dans son entièreté, autrefois, ne fut pas sauvé. Mais les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal étaient déjà un témoignage qu'ils avaient trouvé grâce devant Dieu et de ne pas se prosterner devant ce système. Et ensuite, lors de la première venue de Christ, ceux qui avaient été déterminés à accepter et recevoir le salut, c'est par la grâce de Dieu qu'ils l'ont vécu. Les autres ont été endurcis aussi lors de la première venue de Christ. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, dans ce temps présent encore, disons-le à haute voix, et que tous les frères dans leur église, dans le monde entier, puissent le prêcher. Et cette parole-là, aujourd'hui, le référer à notre temps présent, comme autrefois il y a eu un aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui, il y a encore un temps présent. Comme autrefois, il y avait un temps présent, encore aujourd'hui, il y a un temps présent. Et ce temps présent est appelé aujourd'hui. Comme dans Hébreux 3, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, la lumière, la révélation divine tombe sur la parole. Et nous avons la grâce de la voir. Soyez sincères, est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui nous serait resté caché? Tout, par la grâce de Dieu, nous a été révélé. Avons-nous une question? Pensez à notre aujourd'hui, à notre temps présent, au verset 5. De même, aussi, dans le temps présent, Romains 11, verset 5, il y a un aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans lequel il y a un reste. Et nous pouvons accepter ces choses parce que nous faisons partie de ce reste, de cette élection. Et ensuite, dans Romains, chapitre 11, verset 6 maintenant, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus
par les œuvres. Séparez-vous, vous mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Dites-moi, dans quelle église le aujourd'hui est prêché? Qui parle encore de ce aujourd'hui? Qui a reconnu le aujourd'hui? La parole pour ce temps présent que Dieu a envoyé, enverrait un prophète et a aussi envoyé ce prophète. Bien-aimés frères et sœurs, c'est laps de temps le plus important dans toute l'histoire du salut, dans toute l'histoire de l'humanité, et aussi laps de temps le plus important dans l'Église du Dieu vivant. Après nous, il n'y aura plus de prophète qui va apparaître parmi les nations. Après nous, il n'y aura plus de message parmi les nations. Ce message-là aboutit dans l'enlèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ. Et là, nous avons cette promesse merveilleuse que l'époux reviendra pour prendre l'épouse auprès de lui. Et aussi en ce qui concerne cela, bien mes frères et sœurs, des frères dans les différentes langues ont des difficultés parce que les traductions sont différentes. Ce n'est pas partout où chez nous il est écrit « épouse ». Dans d'autres Bibles, c'est écrit « femme ». C'est vraiment dommage de ce que tous n'ont pas été fidèles dans la traduction de la Bible. Mais prenons le mot, par exemple, « église ». Notre Seigneur a dit « je bâtirai mon église ». Et les Saintes Écritures disent dans Éphésiens 4, Dieu a établi dans l'Église. Et si ensuite nous allons à 1 Corinthiens chapitre 12, et particulièrement 14, au chapitre 14 aussi, ce qui s'est passé dans l'Église du Seigneur, qui est le pilier et l'appui de la vérité? Mais dans combien de traductions de la Bible c'est écrit le mot communauté, ou bien alors le Seigneur ne bâtit pas une Kirche, donc c'est un mot en allemand qui n'existe pas en français, ou bien une église avec petit e, voilà, comme l'église catholique ou bien l'église évangélique. Le Seigneur bâtit son église avec un E majuscule, et son troupeau racheté par le sang. Et c'est ainsi que la parole nous ramène à Exode chapitre 2, verset 12. Laisse sortir mon premier-né. C'est ainsi que le message a été adressé à Pharaon par Moïse. Mais le premier fils né qui a été appelé à sortir après l'Exode a été appelé l'Assemblée, l'Ecclésia, l'Assemblée, en allemand, l'Assemblée d'Israël. Donc, un rassemblement de membres dans un même corps. C'est pour cette raison qu'il est écrit que par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps. Et en allemand, l'Assemblée d'Israël, c'est le même mot que dans le Nouveau Testament, l'Église d'Israël. Nous sommes baptisés dans un seul corps pour former le corps de Christ. Que tous les frères dans toutes les différentes langues puissent, là où ce n'est pas bien traduit dans leur Bible, qu'ils puissent, par le Saint-Esprit, trouver le mot adéquat devant Dieu et rassembler toutes les Écritures pour savoir exactement ce que notre Seigneur a voulu dire, même si leur Bible a été mal traduite. Ce que le Seigneur veut vraiment dire. Pour nous aussi, dans ce temps, nous voici, l'époux vient. C'est écrit comme ça. Pas le Seigneur vient, mais époux, en relation avec l'épouse. Il y a différentes venues, mais il n'y a qu'un seul retour du Seigneur.
tel que notre Seigneur dans Jean 14 l'a promis. Je reviens bientôt pour vous prendre près de moi. Je vais vous préparer une place. En tant qu'époux, il nous a rachetés. Il est allé et il a préparé les demeures, les places. La table est déjà couverte, est déjà préparée pour le festin des noces. Et il reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Mais ensuite s'accomplira. Deux seront dans le même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans le champ, un sera pris et deux à la mule. Il faut que cela soit lié à la réalité. Le retour de Jésus-Christ sera une réalité divine. Et tous ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau, qui ont reconnu leur temps présent, leur aujourd'hui et la vérité présente, et qui ont accepté ces choses par la grâce de Dieu, ont reconnu ces choses parce que le voile a été ôté de leur cœur, de leurs yeux. Et aujourd'hui, que la lecture de l'Ancien ou du Nouveau Testament soit faite, il n'y a ni le voile de Moïse ou bien alors le voile de Christ. Non, pas du tout. Il n'y a plus de voile pour nous. Tout a été ôté. Et nous avons la révélation entière de Jésus-Christ. Et nous avons la grâce d'entendre la parole de Dieu qui est sortie du lieu très saint. Et disons cela clairement, les révélations que notre bien-aimé frère Branham a reçues de Dieu, ont reçues de Dieu, il ne les a pas reçues dans les parvis, au parvis ou bien dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, seulement là où Dieu a la parole, où ce n'est pas des hommes qui expriment leurs interprétations et leurs opinions et leurs pensées. Et nous avons reçu cette parole révélée là, sans pensée humaine. Et c'est pour tous les frères qui aussi se réfèrent à frère Branham, qu'ils puissent constater quand, par exemple, frère Branham parle d'Apocalypse 10 au verset 7, alors il a toujours utilisé ce verset au pluriel. Et il a dit que le Seigneur, n'est-ce pas, en parlant des mystères, va révéler les mystères par le septième ange de l'Église. Et justement, ça s'est accompli par le dernier messager dans l'âge de Laodicée dans lequel nous vivons maintenant encore. Tous les mystères, depuis celui de la chute de l'homme jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, donc depuis la Genèse, tout a été révélé, tout est resté caché. Et c'est peut-être raison que frère Branham, en se référant à Apocalypse 10 au verset 7, et à son ministère, en référence là à son ministère, il a dit les mystères, dans la voix du septième ange. Mais dans Apocalypse 10 au verset 7, il est seulement écrit au singulier le mystère de Dieu. Pas seulement un mystère, mais le mystère de Dieu sera révélé, s'accomplira et s'accomplirait. Et Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu lui-même révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous connaissez la parole de Timothée. Grand est le mystère de la piété. Dieu est révélé dans la chair, justifié en esprit. Bien-aimés frères et sœurs, résumons ensemble de quoi il s'agit dans ce temps présent avec nous tous. Vraiment avec nous tous. Il s'agit d'une seule chose. Il s'agit de reconnaître notre temps présent, notre aujourd'hui,
et de remercier Dieu pour cela, de ce qu'il a vraiment ôté le voile de notre cœur. Et que ce ne soit pas seulement que les Écritures nous soient lues et que nous les lisions, mais que ce que nous lisons nous soit premièrement révélé et qu'ensuite cela devienne une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu et que nous puissions reconnaître ces choses dans leur contexte dans la Bible. Et que cela soit encore dit et adressé à tous les frères et à toutes les sœurs dans le monde entier, à tous les frères. Celui qui veut reconnaître le message de Dieu et le recevoir par révélation de l'Esprit de Dieu, qu'il soit attentif à la parole écrite, car c'est car à la parole écrite, on n'a pas le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose, d'infiltrer nos pensées et ensuite vouloir comprendre la révélation. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que Frère Branham l'a dit plusieurs fois, que personne n'a le droit d'ôter quelque chose de la parole ou bien alors d'ajouter quelque chose à la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces interprétations, avec tous les faux docteurs et doctrines qui sont propagés partout, qui ne sont pas trouvés dans les Écritures, qui ne sont pas écrits? Ce n'est que ajouter et retrancher chaque interprétation. Alors que le Seigneur puisse accorder à nos frères dans le monde entier le respect pour les Écritures, la crainte devant Dieu et respecter l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ensuite, ce que Frère Branham a reçu comme révélation de Dieu, le comprendre au travers des Écritures, tel que cette parole, en tant que message, a été apportée par les Écritures. C'est ainsi que tout sera dans l'harmonie divine et que nous pourrons aussi bien comprendre le ministère de Frère Branham et l'ordonner dans la Bible et le comprendre par les Écritures. Comme c'est très triste de voir qu'en Amérique du Sud, les photos avec la colonne de feu sur la tête de Frère Branham et aussi la photo avec la nuée et la photo avec Christ que Hoffman a peint. Et comme quelqu'un a démontré, ils ont fait une démonstration dans une ville pour Frère Branham, et ils ont mis le dessin de cet homme dans la photo de la nuée qui a apparu dans les nuages. Imaginez-vous, les gens ont perdu le sens et ils apportent de l'opprobre et de la honte sur le message et sur Dieu et sur sa parole et sur notre Rédempteur avec tout ce culte rendu à un homme, aussi par le ministère de Frère Branham. Nous respectons ce qui a été dit à Frère Branham, que le message que Dieu le Seigneur lui a donné des Écritures et lui a révélé des Écritures, ce message-là sera prêché dans le monde entier. Et nous regardons en arrière et nous voyons que tout cela a trouvé son accomplissement durant toutes ces années. Et quand nous pensons à cela, que maintenant, de ces 193 pays, de ces 193 pays, nous servons exactement 173 pays avec ce que Dieu a dit, avec ce que Dieu a révélé, 175 pays, et partout, les élus ont reconnu leur temps présent, leur aujourd'hui, et tel que nous avons lu aussi dans ce temps, Dieu le Seigneur a un reste qui, n'est-ce pas, n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, mais devant Dieu le Seigneur, devant Baal, mais devant Dieu le Seigneur, dans le monde entier. Et ce que nous ne pouvons pas atteindre d'ici, nos frères l'atteignent dans les différents pays dans lesquels ils sont. Et tous dans le monde entier sont inclus, ont été inclus dans ce que Dieu fait dans ce temps présent, dans ce aujourd'hui. Les Écritures sont accomplies devant nous. Et disons aussi cela encore une fois, nous
voyons ce qui se passe avec Israël. Nous voyons ce qui nous jouons. Nous voyons quel rôle jouent les nations. Nous voyons tout cela. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses. Et nous voyons comment est-ce que le désespoir et le manque d'idées, ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont donc immergés par toute cette épidémie maintenant, cette pandémie. Mais Dieu a donné cette promesse. Je serai avec vous. Que vos cœurs ne se troublent pas. Je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il a donné la promesse dans le psaume 91, donc 91, que aucune peste ne nous atteindra. Que le Seigneur, par sa grâce, nous gardera. Et c'est ainsi que nous pouvons, dans chaque circonstance, faire confiance à notre Seigneur et savoir qu'il fera toutes choses bien. Je voudrais seulement encore une fois insister que à tous les frères qui dans le monde entier prêchent la même parole, le même message et distribuent la même nourriture spirituelle. C'est le dernier mandat, vraiment le dernier mandat. Aussi certain que à Frère Branham, la nourriture a été donnée comme mandat, donc qu'elle soit emmagasinée. Il était donné à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. C'est ainsi que il m'a été dit en décembre 72, d'attendre avec le reste, d'attendre jusqu'à que j'ai reçu le reste de la nourriture, le reste qui doit s'ajouter à cette nourriture. Je savais à 100% que j'avais plus besoin d'entendre une voix audible. Je savais ici, ça parlait dans mon cœur. Maintenant, ton temps est venu d'aller de ville en ville, et d'aller de continent en continent pour prêcher le message, la parole. Et c'est ainsi que je me suis pris ça dans le cœur. 2 Timothée 4, prêche la parole autant favorable ou pas favorable, insiste, censure, enseigne avec toute douceur. Frères et sœurs, excusez-moi le fait que j'insiste, mais recevez cela dans le cœur, prenez cela au sérieux. Dans ce dernier temps, maintenant, Dieu a un reste qu'il a appelé à sortir, qu'il a séparé, qu'il a mis à part, qu'il purifie, sanctifie et consacre pour lui. Nous nous tenons seulement à la disposition de Dieu et nous laissons seulement valable et supportons seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et nous savons que nous avons la grâce de voir une harmonie divine entre la prédication de Frère Branham, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la Bible. Nous voyons une harmonie parfaite. Au Seigneur soit la gloire d'éternité en éternité. Croyez-le, dans notre temps présent, notre aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dans ce temps présent, si vous entendez sa voix, et aujourd'hui aussi, nous l'avons entendu, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas endurci notre cœur, mais nous l'avons ouvert. Et le Seigneur a accordé sa grâce pour que nous puissions accepter la correction et recevoir sa sainte et précieuse parole dans notre cœur. C'est comme ça qu'elle pourra être implantée dans notre cœur. À lui le seul Dieu, le seul vrai Dieu, à lui seul la gloire, la louange est dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour la prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, j'ai dans mon cœur, encore une fois, de prier pour tous les frères dans le ministère, qu'ils ne prêchent rien, si ce n'est qu'ils peuvent le prêcher de ta parole. Et que l'Église puisse devenir une épouse parole, préparée
pour le jour glorieux de ton retour. Bien-aimé Seigneur, toi en tant qu'époux, tu parles avec ton épouse. Et nous te remercions de ce que Matthieu 25 s'accomplit. Tu reviendras et tous celles qui furent prêtes, qui seront prêts, tous ceux qui seront prêts, entreront avec toi dans le festin des noces de l'agneau, dans le festin des noces, au festin des noces. Bien-aimé Seigneur, nous revendiquons ce reste-là, tous les rachetés, tous les élus qui ont reçu la grâce de Dieu, qui sont élus, prédestinés, nous les revendiquons. Revendiquons tous ceux qui sont prédestinés à prendre part au festin des noces de l'agneau. Nous les revendiquons tous, que maintenant ils puissent entendre ta voix, entendre ton appel et venir sortir, se préparer. Bien-aimé Seigneur, venir à toi. Bénis tous les frères dont leurs noms aujourd'hui n'ont pas non plus été mentionnés. Tu les connais tous. Tu sais où ils habitent et tu sais qui ils sont. Bénis-les tous et conduis-nous jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit et te remercions de ce que tu achèves ton œuvre de la rédemption dans notre temps. Et comme nous pouvons le dire, comme ce cantique le chante, même si je ne connais pas le chemin, tu le connais. Tu nous conduis sur un droit chemin à cause de ton saint nom. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Tu connais le temps, ton plan est fini, est préparé et est prêt pour l'exécution. Nous te remercions ensemble de ce que nous avons la grâce de voir les prophéties bibliques dans leur accomplissement, que ce soit au moyen, au Proche-Orient, ou bien en Israël, ou bien parmi les nations. Nous te remercions pour ta fidélité et te demandons de laisser luire ta face sur nous sur tout ton peuple et bénis-nous de la plénitude de ta grâce. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.